Regarde ici. Regardez. Vous voyez mes gens. Je dis que mais vous avez peur de la caméra là. Vous êtes discret dans ce pays-ci. La discrétion de ça. Regardez-le. Il veut pas qu'on le voie. Alors laisse-moi faire ma vidéo. Les gars, on va parler ici d'une loi très très importante. Une loi, je me dis que vous devez à tout prix savoir comment ça se passe. Moi, depuis le début de l'année, je l'ai appliquée, je l'applique. Et je suis justement en Afrique de l'Ouest en train de l'appliquer. Et ça marche du tonnerre. Donc du coup, je vais partager. C'est une loi que j'ai appris justement dans mes lectures. Brian Tracy, pour ceux qui le connaissent. Daryl Hewson, pour ceux qui le connaissent également. Qui ont parlé de cette loi-là. Et j'ai trouvé très intéressant parce que ce sont des gens qui sont non seulement super productifs, mais ce sont des multimillionnaires en dollars. Pratiquement des milliardaires. Donc du coup, je me suis dit, essayons d'appliquer ce que les plus productifs aux États-Unis font. Et ça marche. Donc on va parler de la loi 90-90-1. Stay tuned. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors si on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Ah, et on parle de tout ce qui veut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, les gars, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business ou l'entrepreneuriat et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Écoutez d'abord le bruit là. Je n'ai pas n'importe quels amis, les gars. Le gars roule dans une BM. Écoutez le bruit. Regarde, on t'appelle là-bas. Regarde. Je suis sérieuse. Regarde, on t'appelle. Le gars de la sécurité t'appelle. Bref, on rentre dans le vif du sujet, les gars. Ok, donc on va parler de comme je l'ai dit un peu plus tôt, la loi 90-90-1. Retenez trois chiffres bien précis. Premier chiffre 90, deuxième chiffre 90, troisième chiffre 1. Alors, la loi est très simple. Durant les prochains 90 jours, on a eu pour le premier 90. Durant les premiers 90 minutes de votre journée, dans la première heure et demie de votre journée, faites une chose. Pas juste une chose. Faites la chose la plus importante qui va vous rapprocher de votre projet. Par exemple, là présentement, je suis en Afrique de l'Ouest. Je vais vous en dire plus sûrement dans la prochaine vidéo. Et je vais me lancer dans un business immobilier. Parce que je me déplace beaucoup. Quand je me déplace, parfois je reste dans des appartements qui me coûtent très cher. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi dépenser autant d'argent quand il y a des options que je peux justement explorer? Ce que je suis en train de faire. Donc, durant les premières heures et demie, ou durant la première heure et demie, tous les matins quand je me lève, je me concentre sur ce projet. Et je dirais minimum pour moi parce que normalement, maintenant, je consacre carrément mes journées à le faire. Ok, donc. Je viens d'énumérer la règle. Ça n'a l'air de rien. Mais on va la prendre un peu à l'envers pour que vous compreniez mieux. Donc, premièrement, ayez votre projet, votre objectif principal que vous voulez atteindre cette année-ci. Une fois que vous avez l'objectif principal, découpez ça en petits objectifs. Tout petits objectifs. Je vais avoir les détails, vraiment les détails dans les prochaines vidéos parce que je veux que ce soit une surprise. Ce que je suis en train de faire ici en Afrique de l'Ouest. C'est bon? Ce que je suis ici en train de faire en Afrique de l'Ouest. Et donc, chaque matin, la première heure et demie, les premiers 90 minutes, rassurez-vous d'atteindre un petit objectif du grand objectif. Faites-le pendant 90 jours. Et je vous promets que vous allez m'en dire les nouvelles. J'ai commencé à parler par la loi, au lieu de parler de ce qui va suivre. Pourquoi? Parce que je veux que la plupart d'entre vous, vous notiez, mais surtout que vous appliquiez. Encore récemment, j'étais en train de lire les études qu'on a faites sur le cerveau, la manière dont l'être humain en général réfléchit. Et puis l'étude a prouvé que l'être humain est discret en moyenne 5 heures par jour. Par jour, on a 5 heures minimum entre les réseaux sociaux, les discussions qui n'apportent rien d'intéressant dans nos vies. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est le fait que chaque fois qu'on est discret, ça nous prend environ 21 minutes. Même pas environ. Ça nous prend 21 minutes afin qu'on se reconcentre sur l'activité sur laquelle on était. De imaginer être distrait par exemple 10 fois dans la journée, ce qui arrive bien plus que ça. On a 210 minutes, les gars. 210 minutes, c'est quoi? Plus de 3 heures à vouloir
se reconcentrer sur la tâche en question. Ça, c'est également pour parler du pouvoir de la concentration et du focus. Beaucoup, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils sont dispersés. Ils sont sur 100 000 projets. Ils sont sur 3 projets, sur 10 projets, sur 20 projets. Donc, pour coller ce que je viens de dire à ce que j'ai dit au départ, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le focus là, que je viens de mentionner, ok? Et on la lit à la loi 90-90-1. Dans la première heure et demie du matin, ce qu'on fait, c'est qu'on reste super focus sur un des petits objectifs à atteindre. Et ces petits objectifs là, c'est le petit objectif qui nous amène au grand objectif. Pour faire une analogie, c'est quoi? Disons que vous voulez grimper un étage, vous voulez grimper un immeuble de... Bon, disons que vous voulez arriver au sommet d'un immeuble de 10 étages. Il n'y a pas d'ascenseur, non. Vous pouvez soit monter les 10 étages du coup. La plupart ne vont même pas arriver au bout parce qu'après le 4e, 5e étage, ils vont vous mettre à respirer là comme s'ils viennent de courir le marathon. Ou chaque jour, tranquillement, vous prenez votre temps, vous montez d'une marche. Très simple. On monte d'une marche. Très simple. Ou vous faites carrément un pâté. Dans tout un pâté, on n'est pas essoufflé, on ne respire pas là comme un bœuf qui vient de courir. Et on le fait de manière intelligente, de manière sage et de manière disciplinée. Et vous allez vous rendre compte que, oh, le 90 jours en question, que je voulais même prendre pour atteindre cet objectif-là, finalement, waouh, je l'ai fait en 30 jours. Comment c'est faisable? Est-ce que c'est un miracle? Non. C'est la discipline. Mais c'est surtout connaître la méthodologie, c'est surtout connaître les petites choses que les gens ne connaissent pas. Parce que trop souvent, à la fin de l'année, quand on reprend les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, on se rend compte qu'on n'a même pas atteint le 1/5. On est dispersé. On ne sait pas comment s'y prendre. Donc voilà une méthodologie qui, je pense sérieusement, va faire une grosse, grosse différence dans votre vie. J'espère que vous l'appliquerez et j'espère que mon ami assis ici à côté va laisser que je le filme. Tu sais que tu es apparu sur une des vidéos, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne veux même pas parler, quoi. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ça? Tu ne veux rien dire. Il faut parler, qu'on entend au moins sa voix. Il me dit que c'est juste une vidéo, on ne pourra pas savoir c'est qui. Les gars qui regardent la vidéo là, elles vont reconnaître le gars. Parce qu'il y a les questions qui ont plu après dans la vidéo là. Il y a souvent des abonnés qui sont distraits. Restez concentrés, les gars là, les gars et les gars de la chaîne. Qui voit quelqu'un me dire, oh, il est marié, elle est mariée. Lui là, je peux donner ton état matrimonial, non? Parce que madame regarde parfois les vidéos. Elle me dit, il est super marié. Laissez-moi tourner un peu la caméra là. Là, il n'a même pas un peu à prendre. Là, on va dire que c'est Vanille dérange, Vanille dérange. Elle allait faire quoi là-bas? C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup en Afrique de l'Ouest là. Aïe, ok. On se calme, on se calme. On est là pour le business. Non, les gars, on doit y aller. Il a pris du temps. J'étais pris 9 minutes. C'est énorme. On va y aller. S'il vous plaît, appliquez cette loi-là. Si vous avez d'autres conseils, d'autres tips, des choses qui fonctionnent, nous voici en début d'année. Oh. C'est comme ça que l'année passe. On est pratiquement à la fin de ce mois-ci. Un mois va passer, 2 mois vont passer, 3 mois vont passer, 4 mois. Après, vous ne réalisez pas, 9 mois sont passés. Après, on est en décembre. Après avoir fêté, joyeux Noël. Ce sera quoi le bilan de votre année? S'il vous plaît, essayez d'appliquer cette loi-là. Faites-moi retour. On doit y aller. Peace out. Montre-moi ces doigts alors pour peace out. J'aime. Yeah! On se met au premier les gars.